Peuple congolais, nous sommes à Paris, devant le bureau du FMI de Paris, comme promis, pour demander et exiger que l'État voyou de Sassou Nguesso Denis, qui a déjà bénéficié des facilités du FMI, et vous savez ce qu'il en a fait et la situation chaotique dans laquelle se trouve le Congo. La diaspora congolaise de France proteste devant les locaux parisiens du Fonds monétaire international. Michel Ondongo Pandi, opposant congolais, dénonce dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux l'apport financier du FMI au régime sanguinaire et assassin du dictateur Denis Sassou Nguesso. Aussi ici, nous sommes venus interpeller les autorités du FMI que aider Sassou Nguesso et son régime s'assimilerait à verser de l'eau dans une jarre percée. Puisque de toute façon, dans ce pays, marqué par une mauvaise gouvernance que chacun de nous peut constater, l'argent public est dilapidé sans vergogne. Il ne se passe pas de jour où des scandales sont révélés. Dans ce dernier scandale des Pandora Papers, et voilà où nous apprenons que Sassou Nguesso et sa bande, on est là, venez. Sassou Nguesso et sa bande pillent sans vergogne ce pays. Donc nous y sommes. Nous sommes là pour nous représentons ce peuple du Congo. Nous sommes les ambassadeurs de ce Congo qui souffre. Nous sommes les ambassadeurs de ce Congo qui espère le changement. Nous sommes les ambassadeurs de ces étudiants qui, au Congo ou ailleurs, sont abandonnés par un État voyou, faussement faute de soins. Nous sommes ici en ambassadeur de ces prisonniers d'opinion, à commencer par notre président, le général Jean-Marie Michel Mokoko. Là où un Congolais se lève pour dénoncer la situation chaotique que traverse le pays, c'est tout le Congo qui est avec lui.